partais à Paris avec mes parents, je devais avoir 10 piges. Et je suis tombé amoureux d'un graffiti aux portes du périphérique de Nebe, qui est un artiste très connu maintenant. Et voilà, très coloré, tout ce que j'aimais. Voilà, c'est ça qui m'a fait tomber amoureux du graffiti. C'est les personnages de ma culture personnelle, tout ce qui me rappelle ma jeunesse, mon enfance. C'est comme un parfum que t'as pas senti depuis 20 ans et quand tu le retrouves, t'es comme un fou. Je travaille déjà sur plein de supports différents, des supports qui m'intriguent, qui me rappellent ma culture urbaine, on va dire. Et je travaille vachement à la bombe, au Posca et à l'aérographe. Voilà. Je ne parlerai pas de street art. Voilà, à partir du moment où c'est en galerie, ça devient de l'art, entre guillemets, hein, parce que chacun a son point de vue là-dessus. Voilà, moi, je veux juste faire partager aux autres un bout de mon univers, quoi, qui est effectivement le graffiti et le street art. Quoi.